C'est un chemin, je suis sur un chemin, j'ai la tête au fond du trou, et je suis le fond du trou, et je suis le fond du sac, et je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas quel va être le fond, quelle va être la suite, quelle va être la continuité. Je continue, j'ai la tête dans le sac, et je continue, et le sac change, le sac est toujours changeant, et les images sont toujours changeantes, c'est un défilement continu d'images, et le défilement continu d'images, c'est comme la télévision, je regarde la télévision, c'est exactement comme regarder la télévision pensée. La bataille de Clontarf, la bataille de Poitiers, la bataille de Castillon, la bataille de Marignan, la bataille de Malplaquet, la bataille d'Austerlitz, la bataille d'Eylau, la bataille de Wagram, la bataille des pyramides, la bataille de Cameron, la bataille du Jutland, la bataille de Tannenberg, la bataille de la Marne, la bataille du Mont Mouché, la bataille de Verdun, la bataille de la Somme, la bataille de Normandie, la bataille de Kursk, la bataille d'Angleterre, la bataille de Pearl Harbor, la bataille de Dien Bien Phu, la bataille du Sinaï, la bataille de Gergovie, par décapitation, par assoiffement, par affamement, par potençage, par enfermement, par étouffement, par égorgement, par gazage, par chien, par fauve, par croc, par dévoration, par découpage, par coupage de main, par coupage de pied, par arrachage d'yeux, par tenaillage, par précipitage, par égorgement, par lacération, par dépeçage, par fléchage, par ensevelissement, par ébouillantement, par lynchage, par éventration, par baïonnette, par sabrage, par hachage, par gibet, par empalage, par fracassement, par trépanation, par écrasement, par bombardement, par injection, par explosion, par mastication, par constriction, par garrotage, par suspension, par exposition, par sillage, par écorchage, par enterrement, par enchaînement, par becquetage, par décomposition, par ébullition, par pourrissement, par emmurement, par erreur. Anna est un oiseau. Anna est. Je l'aimerai, Anna, être son nid. De très longs arbres bordent la Seine, et moi je fais des ronds dans l'eau, en attendant qu'elle se souvienne. Don't forget me not, and. Mais s'en fout bien, Anna, sans doute. Et je me doute bien, moi, qu'elle s'en fout. N'empêche, Anna fait mon oiseau. Et moi, clouée au sol, j'agite fort les bras pour me plumer des ailes à cet épouvantail, ma carcasse. Ce qui me fait silence, si tu savais, Anna, la lourde plaque que soulève un oiseau volé dans le ciel. Alors, les yeux baissés, je plonge dans la Seine. Imagine qu'un jour, tout ce que j'imagine, il neige sa voix dans ma tête. Anna, j'ai les mains qui s'agitent et ça me court partout, la fissure. J'ai peur, si peur, comme je tremble. J'entends un craquement qui contamine mon langage. Mes insomnies, je les passe une à une à me cabrer la tête. Chute de mots partout à m'en crever le ventre. Toujours les os qui grincent. La faille avance, inéluctable. Mon corps ouvert manque d'espace, l'air est hirsute, je suis en deux, et m'étonne à nouveau de savoir que j'existe. Aimer justifie ça et m'ajuste. Avant les mots, la chair, ce cadavre, avant la cage, l'épouvante, l'inhumaine menace. Et c'est avant les mots, et c'est toute la nuit, et c'est des milliers de nuits, des milliards de nuits d'épouvante. Avant les mots, le grand massacre. Les mots, lorsqu'ils nous manquent, ils nous tordent. Les mots manquants nous dévisagent. Les mots manquants nous défigurent. Ces mots que l'on ne dit jamais. Ces mots qui nous vissent les mâchoires. Ces mots qui sont inventés. Ces mots contiennent une foule de gens. Les gens sont des bouleversements. Les mots sont des bouleversifiés. Sont bouleversifiés de partout parce que chaque mot contient une foule.
foule de gens. Chaque mot contient une foule de gens. Stop. Message. Il est si doux, c'est à peine un message. Tout le monde n'entend pas le message. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à imaginer que le vent dans les arbres peut avoir le moindre message à délivrer. Alors, quand j'entends le vent dans les arbres, j'entends qu'un message d'une très grande douceur peut diviser l'humanité en deux grandes parties irréconciliables. Quand je cherche si, dans mon fort intérieur, il y a quelque chose comme du vent dans les arbres, j'ai l'impression que je n'ai pas très envie d'y trouver une sorte de doux message, à moins qu'il soit pris dans une espèce de courant d'air qui, en le décollant et en le faisant se cogner sur les branches, pourrait devenir illisible et donner à nouveau envie de faire des réunions de décryptage. On sait depuis 1984 que les sourires que vous faites vous donnent plus de chances de décrocher le travail. Vous avez le choix, soit vous souriez et vous avez des chances d'avoir le travail, soit vous ne souriez pas et vous avez alors peut-être moins de chances de vous ennuyer. Peut-être que vous ne voulez pas trop faire attention au nombre de chances que vous mettez de votre côté. On en connaît qui ont tellement mis de chance, leur côté a fini par éclater qu'à la fin, ils savaient que ça servait à rien de compter les bouts de côté qui étaient un peu partout du coup. On sait, depuis 1990, que les histoires qu'on se raconte peuvent changer le regard sur le monde. Vous n'avez pas le choix, soit vous vous racontez des histoires et vous changez le regard sur vous-même, soit vous continuez de ne pas faire très attention et vous ne saurez pas ce qui va vous arriver. Poulet, ceci vous concerne. Cette affiche n'est pas pour vous. Journaux, BD, quotidiens, même gratuits, ne lisez pas. Cela pourrait occasionner des dommages irrésistibles de votre cervelet. Ne tentez pas de vous envoler. Tout vol suspect pourra être reconnu, retenu, revenu contre son auteur. Vous moignons n'y survivrez pas. Tout poulet surpris à lire sera. Respectez constrictez les normes européennes de 86 cm² surface de vie au sol. Tout poulet surpris à vivre sera. Si un poulet essaie de vous envoyer un texto, jetez votre téléphone. Prenez un nouveau portable. Plus porto. Résistez aux pressions. Si vous surprenez un poulet lisant par-dessus votre épaule, coupez-vous l'épaule. Vous étiez, on n'était pas nous, on n'était pas comme vous. Vous savez pas, vous, c'est pas pareil, on était, la honte. Vous savez ce que c'est, la honte. Vous savez pas, vous, nous, on sait. Les cicatrices, ça empêche de marcher, ça. On trébuche sa vie après avec ça. On croit qu'on va, en fait, on fait semblant, mais ça se voit, on le sait que ça se voit. On le sait, on enrage, payer 2 fois, 3 fois, 20 fois. Vous savez pas, vous, la douleur de ça, la honte. Toute la vie plus tard, quand ça toujours là, on n'en guérit jamais de ça. Vous savez pas, vous. J'ai rêvé que j'avais gagné l'auto, mais j'avais pas joué. J'ai rêvé, et c'était pas l'auto classique, j'avais gagné une somme énorme, mais j'avais pas joué. Et c'était pas l'auto traditionnel.
Je savais pas ce que c'était comme l'auto. Me suis même pas vu jouer. Me suis juste vu gagner, mais à quoi? Je connais même pas les règles, mais je gagne. Et je sais pas qui me dit que j'ai gagné. Du coup, c'était très net, je savais rien. Et du coup, j'avais vraiment gagné. Et du coup, j'étais embêté, je voulais pas être dans la presse. Mais je me rappelle plus la somme. Une somme astronomique. 200 millions de milliards, mais j'avais pas joué. J'ai gagné sans même jouer. Quand je me suis réveillé, je savais plus où étaient les 200 milliards de millions. Et le tout en petite coupure dans la presse. Mais moi, je voulais pas. 1000 millions de milliards, à peu de choses près. Mais je me réveille, on me les avait piqués. J'avais qu'à pas dormir. Mais si je dormais pas, je n'aurais pas rêvé. Ça a commencé avec ces putains de haricots verts. J'avais rien demandé, moi, j'aime pas les haricots verts. Mais c'était l'été, alors fallait manger des haricots verts. Et comme j'aime pas les haricots verts, j'ai parlé de poésie. Mais elle aime pas la poésie comme moi, j'aime pas les haricots verts. Alors ça a déraillé, on n'a plus réussi à parler de quelque chose qui nous aurait permis de parler. Et sans plus parler, on a mangé les haricots verts. Et c'est pour la pâtée. France d'en bas. Pour la pâtée du chien. Combien le chien? Car il reconnaît tous les bruits. Faites le calcul. Tous les bruits que font les nous autres chiens. Les chiens combien? Les chiens qui rapportent la pâtée ou les chiens combien qui attendent. Pour ce chien et pour celui-là encore. Ils attendent la pâtée. Combien pour toute la portée? Mais il n'aboie pas. L'animal ici battu. On n'aboie pas en chien. Ici en cage, combien? On guette. Combien la somme de toute cette sale race? On fait silence dans son cerveau. Race d'ailleurs. On lui a fabriqué un silence radio pour sa cervelle. Combien la putain de sale racaille? Un silence pour lui-même. Combien dites un prix? Pour qu'il ne s'écoute plus. 2000 balles. Et s'écouter, c'est entendre aussi les bruits du dehors. 2 balles le chien. Un roulet enroulait l'ourlet alourdi d'un long loden. Le dit loden, dédain de Delon, donc don d'Alain, Alain dédain, le dit dandy les dents, dit lundi dans l'an, dit Dylan, a doté d'élan, d'élan, des ladies au dolan, d'odolinant dans de dolan landau. Des longs lodennes l'ont dit dans l'aine, l'aune de l'aine donne la haine de la laine de l'aine. Et de celle de l'aisselle, de celle qui taillissait, celle des selles qui scellent des selles. Ah, celle-là, seule, sale, saoule, elle... Oh putain, Adèle. Elle sale sous les sols, elle sale sous les saules, les sols sans cils et si lasse l'os iliaque. Il n'y a que de le croire pour le voir. De ces phrases en poulet, j'en viens au mien, tous ces poulets que tu voulais m'acheter, t'acheter et que tu me dénies, papin. Dis-je, je te ramène. Thank you.
Thank you.